Reptile sur les toits. Hey. I gotta focus. Il y a un trophée où il faut faire des niveaux sans perdre de dégâts. J'ai perdu des dégâts à chaque fois. I gotta focus. Oh, j'ai pas fait exprès. Mais dans le vide en plus. Ah, bah, comme par hasard, je dis ça. Merde. Ah, c'est trop bas deux fois d'affilée, quoi. Enfin réussi à esquiver les archers. C'est pas trop tôt. Oh, je suis tombé. Merde, putain. Mais tu peux jouer avec les flèches aussi. Ok. Oh, le bâtard, il m'a eu. Ça donne quoi? Genre je tape plus fort? Faut la placer cette console ou pas? Ouais. Ah mais ça donne... Ok, ça donne de la vie. Bah alors, y'a plus personne? Et eux, faut soit les prendre par derrière, soit faire grosse attaque éclairée. Merde. Ça marche, tu joues à quel jeu? Non, je voulais sauter. So this was for a high risk assignment, but I love danger. Hi-ya! Ah, je savais que ça allait prendre des trucs. Ah ouais, mais les Ratchet & Clank aussi, c'est des jeux incroyables. Faut que j'achète le nouveau d'ailleurs, qui est sur PS5. Hein. J'ai vu qu'il était descendu à 32 ou 33 euros, je crois.
pense que c'est le moment de se le faire. Hey, ils l'ont pas sorti sur PS4 les enfoirés. J'avoue que c'est dommage en vrai. Bah bien sûr, il y a le nouveau Spider-Man qui va sortir l'année prochaine, je crois qu'il sera pas sur, sur Next Gen. C'est passé quoi? Must have zoned out. Ready for a little workout, guys. Moi j'ai toujours kiffé Spider-Man, mais en vrai, même sans parler de, du fait que j'aime Spider-Man, les jeux sont ouf, les graphismes sont malades, les, le gameplay c'est laisse tomber, et les histoires, l'histoire est sympa aussi. Another victory for the forces of good. Cowabunga! Come on, let's go!